Donc cela veut dire, il dit, cherche un homme intelligent, un homme sage, et établis-le à la tête, et établis aussi le commissaire sur le pays pour lever les 1/5 des récoltes. Cela veut dire, tout ce que tu gagnes, on ne mange pas tout. Amen. Hein? On mange une partie et on épargne une partie. Il dit d'élever les 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Lorsque tu traverses un temps, une période d'abondance, commence à soutirer dans ce que tu gagnes quelque chose, mais à part pour préparer les jours mauvais, les 7 années de souffrance. Amen. Hein? Les gens oublient, hein? Lorsque tu es béni, même Dieu dit, hein? Il dit, priez sans cesse pour que vous ne tombiez pas en tentation. Savoir planifier, établir des stratégies pour que lorsque le jour mauvais va arriver, que tu ne souffres pas, tu sois dans l'abondance et que tu prospères. On prospère lorsqu'on établit des stratégies. On prospère lorsqu'on planifie. Amen. Hein? Oui. Ecclésiaste 11, 1 à 8, nous lisons. Mm-hmm. Jette ton pain sur la surface des eaux. Oui. Car avec les temps, tu les retrouveras. Mm-hmm. Donne-en une part à 7 et même à 8. Oui. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu ne sais pas. Vous voyez, hein? C'est ce que j'ai dit. Le conseil que Joseph avait donné à Pharaon, il dit. La Bible dit ici, jette ton pain sur la surface des eaux. Car avec le temps, tu les retrouveras, le pain là. Donnez-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc cela veut dire les jours mauvais. Le malheur, ça peut être Corona. Vous voyez quand Corona est arrivé. Est-ce que vos bailleurs là, vous disaient ne payez pas pendant tous les 4 mois, on payait. Amen. Hein? Tu ne sais pas. Si le malheur arrive, j'ai peut-être partagé mon argent en 7, en 8. Si par exemple cette affaire shit, les autres s'y fonctionnent. C'est pourquoi vous allez voir Dieu, quand il plaçait les jardins d'Éden, il créait les jardins d'Éden, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis une source d'eau, hein, dans les Jourdains, mais divisée en combien de branches? 4 branches. Donc cela veut dire, kama ina kauka, ina leta mai. Kama ina kauka, ingina leta mai. Kama ina kauka, parce que tu fike kuya 4 kauke, ingina nanzo leta mai tena. C'est ce que vous devrez faire. Apana kwa pana affaire moye, uko na boutique moye, kioske ki moye, njona kurea bukari, njona ripia masomo, njona ripaka nyumba, njona uzaka nani mangua, una kaji moya, bena ripa buwanago $500, njona ripa nyumba, muna ripa masomo batoto, muna mutepifanya je, shiku ile kaji taisha, njona mutekala pa maibwe tena, muna anza kurea. Amen. Hein? Tu ne sais pas quel malheur peut arriver à la terre. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver à ton travail. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver à tes affaires, à tes business. Continue.